La grand-voile s'est déchirée hier et là, nous sommes en train de la réparer. Donc, c'est une réparation à notre mère. Grâce voilà, aussi à notre mari qui, heureusement, avait avec soi tous les nécessaires pour réparer une voile. Il avait été confié par son père, donc ça tombait bien. Du coup, bon, les conditions de travail ne sont pas les plus aisées. Et surtout, moi, je suis à la barre. Quelquefois, je fais des conneries. Alors, voilà, ça agite un peu, plus qu'il est nécessaire. Mais tout le monde est bien attaché. Donc, tout le monde est en sécurité. Et voilà. Cette voile très 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 étrange. C'est un bébé entre un foulard de grand-mère et une voile d'optimiste. C'est un croisement génétique pas du tout modifié. Alors là, pour se mettre bien au cap, on a mis les voiles en ciseaux, donc notre superbe voile tempête et le génois tangonais. Voilà, donc là on a eu un peu chaud, hein. C'est déjà qu'il fait chaud. Alors les manœuvres avec le tangon et tout, ça met toujours un petit coup de chaud. Ouais. Voilà, donc Flora va faire bah, bien. Ces changements de quart dans pas trop longtemps je pense pour toi Oscar, qui n'a même pas eu le temps de faire une petite sieste. Voilà. Qu'en pensez-vous capitaine? Ma foi, pas mal. Ouais, ça va pas mal. Bah, je trouve qu'il est quand même très très beau ce bateau quand il est en mode papillon quoi. Ouais, c'est chouette. Ouais, ah bah là t'es obligé d'être aussi en fait. Ouais. Ça, les voiles comme ça, ça va dans le sud, à droite, à gauche. Ouais. Donc, je vais laisser Bosco prendre la main sur la position. Voilà. Comment ça s'appelle en français? De quoi? Parillade, Paris, comment ça s'appelle? Non, c'est tu. La paillade. Ouais, là. Voilà. Mais non. Non, une friture de petits poissons. Voilà. Dagala. Une friture. Dagala au Burundi, c'est des petits poissons comme ça. Dagala frit. Oh, c'est sans suicider. C'est pas nous qui nous avons pêché. Ce sont eux qui sont remontés sur les bateaux. Bah, et qui ont volé sur le bateau. Volé sur les bateaux par les nerfs. Une friture de poissons volants, c'est ça qu'on va faire. Ouais. Et on reprend la couture là, pic pic pic. Et soit au pic pic pic, soit cool. Ok. Nous avons notre capitaine corsaire. Alors. En tout cas, on est assez content des panneaux solaires. Là, sur les filières, ils sont bien orientés pour le matin. Et voilà, on peut voir des petits footbassins qui jouent avec nous. Voilà. Et Flora qui en panne, parce que c'est pas évident de tenir le cap tout en regardant les footbassins. Et oui. Légumes dedans. 20 légumes à manger. Ouais, il y a du jambon aussi. Hein, non? Alors, il y a du jambon, il y a des champignons. Flora, l'animal qui sort de sa ternière parce qu'elle a senti à manger. Tosca qui en a marre de son carré qui commence à chanter en italien. Allez, mangiare! Il a pris une claque quand même le jambon. Hein. Parce qu'elle est belle aux mains. Eh mais c'est du pain ça. Les températures hautes. C'est du pain ça. C'est du pain. Waouh.
du soleil et des nanas. Des nanas quoi. On peut plus. Maman. On peut plus que. Jour. Maman, viens me chercher. Maman. Allez, tiens ton cœur. Plus rien ne va. Tosca est suspicieuse. Elle suspecte Flora d'avoir mis un bol de sargasse dans sa chambre. Moi j'y suis pour rien, je vous jure. Et Flora suspecte Tosca d'avoir mis des poignées de porte à sa porte. La suspicion est à son comble, la tension est énorme. Flora, rends le marteau à Tosca. S'il te plaît. Le ciel, tout ça, et une belle lumière, genre Dieu. Et regardez-moi de ce côté, nous avons un double arc-en-ciel. Voilà, c'est pas mal. On est au 21e jour. Nous avançons pas trop mal, on avance à 6 nœuds. Juste avec la grand voile qui a été réparée. Donc on est très fiers de notre réparation. D'ailleurs, vous pouvez voir que les petits lutins de maternelle se sont amusés lorsqu'ils ont mis du sika partout sur la grand voile. Ça a l'air de bien tenir, ça a l'air d'être costaud. C'est très très moche. On va essayer de trouver un truc pour rendre ça esthétique, je pense. Et en attendant, ça tient bien, donc il y aura peut-être quelques autres réparations ou renforcements à faire sur la grand voile pour qu'elle tienne tout le tour de l'Atlantique. Mais en tout cas, c'est vachement rassurant d'avoir réussi à pouvoir le faire. Ça a été un peu galère, mais ouais, on est contente. Tout l'équipage s'y est mis, on a bien réussi. On est où, capitaine ? Hey ! Eh ben, on est presque arrivé de l'autre côté de l'Atlantique. Ça fait quoi de voir cette carte? Ah bah c'est... Je vois qu'on a bien avancé, on est bien parti des Canaries. Par ici, tac. 22, 23, 24 décembre, Noël en plein milieu de l'Atlantique. Hop, on est descendu. Là on a déchiré la grande voile. On a réparé. Et là, on est par là. On va faire le petit point GPS. Alors le spi. Donc le spi c'est une voile qu'on utilise au portant quand le vent il vient vraiment quand le vent nous pousse. Donc du grand large, vent arrière au travers. Et là du coup on est plutôt au grand large, on fait route vers Grenade. Et l'idée donc c'est d'avancer le plus droit possible parce que une fois qu'on a là on avance à peu près à 7 nœuds, une fois qu'on règle le spi à une allure. Il nous reste des concombres, des tomates, des kiwis, des prunes. Il nous reste quoi d'autre? Il nous reste bon, les bananes, c'est ce qui meurt en premier, il faut le savoir.
Putain. Waouh. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, oh, c'est la civilisation. Après plus d'un jour. Donc là en fait ça fait 20 jours qu'on n'a pas de pavillon, on va pouvoir visiter le pavillon de la Grenade. Parce que ça fait donc que les pavillons bretons et italiens. Et voilà un super équipage, 4 nanas. Ça nous a pris 3 semaines pour arriver. Nous avons rencontré pas mal de différents types de météo. Au début c'était un peu plus dur avec des grosses vagues. À la fin c'était plus facile. Et voilà.